Voilà. Voilà, le record est relancé. Et donc bonjour à tous. Ah mais il y a un cube là. Ah il était caché. Et bienvenue chez Dust. On va pouvoir faire l'étoile manquante de la vidéo précédente. Ah, c'est pas encore assez haut. Pas encore assez haut, sérieux? Voilà. Et on a réussi. Bon. J'ai tout fait ici. J'ai tout fait, parfait. Le pays des tombes est à toi maintenant. Et retiens bien cette leçon. C'est seulement par la foi que la mort peut être vaincue. Ouais. Attends. Annuler, relancer. Début. Alors. Il nous reste plus que un monde. Mais avant ça, je voudrais retourner au premier. Au premier monde, parce que je me souviens de quelque chose que j'ai oublié de montrer la dernière fois. Alors, qu'est-ce que j'avais oublié de montrer? C'était ici. Voilà, c'est un mur invisible. Enfin, c'est un mur, mais on peut passer à travers. Et il nous amène dans un monde. Voilà. Les créateurs. Je joue du tambour, ok. Lui filme. Ni moi. Il lui apprend. Y'a rien à faire. Samsara et le berger, ils sont là. Alors, on bronze. C'est qui ça? Il n'a pas de nom.
Hey Jonah, salut. Tom J. Voilà. Je peux pas interagir avec eux, je peux juste les observer. Voilà. Bon, on a tout vu. Bien ce qui me semblait. Ils ne peuvent pas nous transporter. Hop. Voilà. Paradis. L'esprit est sa propre demeure, de lui-même peut faire un paradis de l'enfer ou un enfer du paradis. Peu importe où je suis, je suis toujours le même. Si je ne puis être aussi grand que celui que le tonnerre fit plus grand, et si au moins nous serons libres, le Tout-Puissant n'a pas bâti cet endroit par caprice et ne nous en chassera pas. Ici nous pouvons régner sans crainte, et pour moi, noble et ambitieux de régner, fût en enfer, mieux vaut régner en enfer que de servir au paradis. Enfer. La tradition William Black. La tradition antique selon laquelle le monde serait consumé par le feu au bout de 6000 ans est vraie. C'est ce que j'ai appris en enfer. Car le chérubin armé de son épée flamboyant, reçoit à présent l'endroit d'abandonner. À présent, l'ordre d'abandonner sa garde de l'arbre de vie, et quand il le fera, la création sera consommée et apparaîtra dans toute son infinité et toute sa sainteté aux ruptures de la finitude et de la corruption qui fondent son apparence actuelle. C'est l'approfondissement et de la jouissance du sens qui déclenchera le processus. Il faudra d'abord éliminer de la distinction entre le corps et l'âme, et j'y parviendrai en imprimant selon la méthode infernale à l'aide de corrosif qui, en enfer, possède des vertus salutaires et médicinales, qui dissolve les apparences et révèle l'infinité occultée du monde. Le mariage du ciel et de la terre, ça m'intéresse. Je note. Alors, ça c'est les parties d'énigmes les plus difficiles à résoudre pour moi. Ça marche pas. Si je fais ça, ouais, ça marche. Dernier territoire avant que j'y conquis le monde. Ça m'a raison.
Je suppose que vous comptez les îles secrètes. Je vous déteste. Ah. Encore des copies de médiocres du monde oublié, j'ai hâte. Il doit y avoir quelque chose de plus profondément enfoui, quelque chose de plus profond que je suis, quelque chose de plus grand. Je dois déchirer ce faux monde, le tailler pour trouver la vérité et de trouver moi-même. Ça m'a ôté la mode de la bouche. Nous sommes parvenus ici, nous avons seulement besoin de rouges pour gravir la tour et ce seront les derniers. Les rouges sont un mensonge, les verts et la couleur de la vie éternelle. Plus sain que toi. Tu es parvenu loin, mon enfant, réussissant là où tant d'autres avant toi ont échoué. Tu as traversé une terre de ruines et une terre de mort. Maintenant, la terre de foi se trouve devant toi. Et sache que comme tu as montré ta foi en moi, j'ai moi aussi foi en toi. Une cathédrale. Ça, c'est les parties les plus difficiles. Ceux qui ont découvert les mystères les plus sacrés de mon jardin peuvent venir me servir comme messager béni. Tu marches maintenant dans leur demeure. Sois respectueux, car leur service est né de l'amour qui transcende la mort. Et leur amour est pour toi aussi. Mon amour, ils sont amoureux de moi? Non. Cette forme inerte, et je me demande qui vous allez être. Allez-vous avoir les mêmes valeurs que nous? Allez-vous nous aimer pour nous avoir créés? Allez-vous nous en vouloir de vous avoir mis dans un monde incertain et dangereux? En retraçant notre histoire, nos réalisations, nos crimes, que penserez-vous de nous? Le monde que vous créerez sera-t-il comme le nôtre, ou aussi différent que nous ne pouvons même pas l'imaginer? D'une manière ou d'une autre, j'espère que vous trouverez cette petite planète bleue aussi belle que nous l'avons trouvée. Et j'espère que vous prendrez soin d'elle, beaucoup mieux que nous. Et j'espère qu'un jour, vous regarderez et atteindrez les étoiles. L'amour, c'est l'amour qui transcende l'espace. Si je mets 4 chombes, hein. C'est... Deux amants sont séparés par l'abîme du temps et de l'espace, pourtant le véritable dans nous ne connaît aucun obstacle. Si tu suis le chemin, tu peux passer de l'autre côté. Ouh, là il y en a beaucoup, ça va être compliqué.
Si je galère trop, je... J'irai chercher un... une soluce. Aha! La lumière rouge. Je posais où le truc? Thank you.
Ah, décidément. D'avoir un truc comme ça. Ah! Bon, ça c'est un petit, mais ça veut pas forcément dire que c'est un peu facile. Je protégerai le jardin du monde dans l'éternité. Mon conseil guidera les enfants des lunes vers la gloire. Sans la parole d'Eowyn, dans nos cœurs, nous ne sommes rien. Je me rappelle pas les mots de... Je me rappelle les mots, les noms des morts dans l'éternité. Je vais porter le message d'Eowyn à tous les mondes dans son jardin. Seule la miséricorde permet d'atteindre la paix éternelle. J'apporterai connaissance et guérison aux enfants d'Eowyn, mec. Alors, complexifie, ça a l'air complexe. Plopopom.
Voilà. Uriel. Bienvenue mon enfant, je suis un de ceux qui ont choisi de rester dans le monde autant que messager des mots gâchés. Si jamais tu es dans le besoin, cherche-nous et crie à l'aide, nous ferons ce que nous pouvons. Uriel. Voilà, en fait, ça permet juste quand t'es bloqué dans un niveau. En fait, en libérant ça, demander de l'aide en fait. Voilà. Je vais pouvoir demander de l'aide en cas de besoin. Hop là. Ah tiens, j'avais pas vu ce message. Consecteur m'a accordé comme domaine tous les terres et j'ai voyagé. Et un jour, avec les saisies de puissance, le monde entier sera mon domaine. Et il m'a promis le monde à moi aussi, sacré blagueur. Je crois que le temps obéit à peu de règles ici. Et alors, à tellement de règles que cela dépasse mon imagination. Il est clair que j'écris le message après que chacun de vous a écrit le sien. Ou alors, peut-être que sommes-nous tous ici en même temps. Ce message vient de se matérialiser sur le mur en face de moi. Ouais, en fait, on est tous au même moment, on est tous là, en même temps, on est séparés. En fait, nous sommes dans plusieurs expériences en même temps. C'est pour ça que le monde s'effrite, parce qu'il y a, on est dans une simulation, mais il y a au moins 5 ou 6... il y en a plein. Il y a plein de simulations qui fonctionnent en même temps. Il y en a peut-être des centaines en fait. On dirait qu'il y a des vaisseaux spatiaux là-bas. Enfin... Oui. Bon, on va aller faire les deux autres mondes. Ici, il faudrait vraiment que je puisse faire ça. Mais... les étoiles, je crois que c'est beaucoup plus compliqué que... Ah, vas-y. Ah, ils sont trop jaunes, ça fait mal aux yeux. Ah, j'ai réussi. J'ai oublié, il y a quoi là-dedans? Le chaos est ce qui existait avant le temps. Ah oui, c'est des chiffres. Que les mots d'une histoire perdent leur sens. Que les actions ne servent plus de but. Alors, sache que seule la foi peut te protéger contre ce danger. Ici, dans le jardin des mondes.
Voyons voir ce qu'il a à dire. Orang-outan, putain. Une preuve médicale a publié une nouvelle théorie surprenante sur la terrible extinction de l'espèce des orang-outans. L'année dernière, voir ce lien faire le vidéo plusieurs fois primé de dernier ouragan. Orang-outan, putain. L'article affirme que le virus responsable de l'extinction n'était pas une nouvelle mutation, mais une très ancienne. Un virus antique enterré jusqu'à l'or dans le permafrost. Sous de hautes latitudes. Il est libéré par le réchauffement climatique. Le virus aurait ravagé la population des grands singes il y a plus de 100 000 ans. Plusieurs questions importantes restent sans réponse, dont plus important encore, l'étude affirme à partir d'échantillons prélevés à différents endroits à travers le monde que la période d'incubation pourrait. Si vous aimez cet article, j'aimerais comment faire pour éviter efficacement les crises cardiaques. Ce qui vise sur cette roche est incroyable. Les défis scientifiques les plus étonnants, les scandales des seins dévoilés aux Oscars appliqués peu de la physique. Comment vaincre facilement une infection. Blake Archive. Les poètes antiques crurent déceler dans chaque élément sensible la présence de dieux ou de génies, conférant à celui-ci le nom et propriétés des bois, des rivières, des montagnes, des lacs, des villes, des nations et tout ce qu'on leur sens étendu et nombreux peut pouvoir percevoir. Ils s'intéressèrent particulièrement aux génies de chaque ville et de chaque pays, alors prêtant les caractéristiques mentales et de la dignité de là le patronait. Jusqu'à ce qu'un système fût formé, dont certains profitèrent pour asservir le sensible et tentant d'identifier la mentalité de sa divinité à son objet ou de l'en extraire, c'est ainsi qu'apparurent les prêtres, s'inspirant pour les formes de culte de contes poétiques d'alors, et finirent par déclarer que les dieux eux-mêmes l'avaient pas ordonné. Ainsi les hommes oublièrent que toutes les divinités résidaient dans le cœur des hommes. Nom d'utilisateur. Ça marche maintenant. Chaque itération se voit attribuer son propre nom unique tiré au hasard dans la base de données. À l'heure actuelle, c'est une base de données de pseudonymes utilisés lors de jeux en ligne. Ce qui peut sembler un peu bizarre, mais franchement, je pense pas qu'il soit nécessaire de consacrer plus de temps à ces noms. Vous avez des identificateurs uniques, et c'est tout ce qu'il nous fallait. Voire plus, est un luxe que nous ne pouvons pas nous offrir. Si nous arrivons à finir tout le reste à temps, je m'en remettrai et je créerai une nouvelle base de données avec des noms plus appropriés. Pour l'instant, ce n'est vraiment pas la priorité. Ah, et ça c'est une image d'un ascenseur. Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. On se retrouve pour la suite très bientôt. Et à la prochaine tout le monde. Salut !